peux pas être pire que Gaël. Il me chauffe pas. Gaël il filme comme ça. Comment tu zoomes? Tu tournes le truc. Tu sais faire toi, non? Ça tombe pas là. Le gros lourd. Mais ça c'est la mise au point ça. C'est bon, tu comprends? Oui, un peu. Allez. Yo les gars, nouvelle vidéo et on se retrouve pour un petit test de planche. Ça faisait très très longtemps, on a enchaîné beaucoup les compétitions avec les jeux. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo avec des bêtises, filmée par un bon vieux pote. Je vais vous présenter la planche, on va la tester en skatant. Et après on va tester la résistance avec le fameux crash test. Est-ce qu'elle résistera? Mettez-les dans les commentaires. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on teste la planche de ce bon vieux Aurélien Giraud. Je crois que j'ai jamais skaté une board plombée de ma vie. 70€, je pense que pour une board américaine c'est le prix de base dans les skate shops. J'ai été au skate shop et je sais pas s'il y a que dans une taille, mais il y avait que des 8 pour son pro modèle. Et je skate 8-2. Le concave, c'est un peu moins énervé que ce que j'ai l'habitude de skater. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai mis des petits trous Fendi dessus. Je pense qu'on est dans le thème. J'ai pris mes vitamines avant de skater. Ah bâtard. Ça va, on rigole. J'essaye de comparer pour voir les différences entre la mienne et la sienne. C'était bizarrement dit. Je commence doucement le skateboard. Je me suis blessé avant de partir en Chine, un peu à la cheville. Du coup, j'avais pris une semaine de pause. J'ai fait la compète et j'ai repris une semaine, 10 jours de pause. Si la session est catastrophique, c'est pas de ma faute. Je fais des tricks en flat et t'essayes de deviner les noms. Faut que je te cours après ou je peux juste zoomer? Tu me cours déjà après dans la vraie vie. C'était un flip. T'es pas si nul, hein? Un double flip. Mais non! Le but de double quelque chose, c'est qu'il y ait deux fois la même chose. Ça c'est un switch flip, tu vois. Oh, tu t'es cassé la gueule. En plus j'ai vraiment surréagi. Il est parti bizarrement. La board elle est partie devant genre. Il y a eu le flip. Il y a eu le switch flip. Ça c'est un... Un crook flip. T'as la réponse. Un crook. Un ollie. Elle a dit le seul truc qu'il fallait pas. Mais attends, mais je skate bizarrement là. Wow! C'était raté ça, non? Tu veux l'hélicoptère? Pas sûr, mais vas-y. Bah, il a craché là. Hein. T'es en train de piétiner Aurélien là. Tiens. Pourquoi tu mets pas tes deux pieds dessus? Parce que c'est dur! Les petites prières. Si j'y arrive pas. T'es une salope. Non, je suis sur le chemin de la réussite. Archi facile. C'est ça qui est nul avec le skate. Tu fais le truc le plus dur, quand tu y arrives, t'as l'impression que c'est le truc le plus facile du monde. Jeu de con. C'est pas un jeu. Tu crois qu'on joue? C'est chaud ma gueule. On change d'obstacle. On fait du rail. C'est même pas ce que c'est de toute façon. Pas si bête hein. La teinture ça aide après. Tu commences par des trucs faciles ou direct un peu plus dur? Fais des trucs durs. C'est pas la taille de board que je skate. Quand je mets mon pied, j'ai l'impression qu'il sort de ouf de la planche. Après, ça marche quand même. En vrai de vrai, elle est bien à skater là-bas. Ouah, ça c'est le pire truc. Le trick de trop. C'était annoncé. Front blunt. Je sais même pas parler déjà. Front blunt, quelque chose à out, je le fais rarement. Ce que je me disais aussi. Ouah, les pieds sur la planche. Tu glisses sur la board, le dessin il s'abîme pas. C'est trop bizarre, non? Oh. J'ai feinté là. Et je le refais ou pas? Il était dégueu. Oui, je le refais. Mentalité Kaizen. Lol. S'il skate des 8 avec les gaps de cochon qu'il fait, respect. À part s'il fait du 39, mais. Overcook ne les flip. La line miteuse. Ça va pas, non.
T'as dérapé si je peux me permettre. Quand j'arrête le skate et que je reprends, j'oublie pas les tricks, juste je suis pas à l'aise. C'est grave aléatoire. Bah t'es un peu un mec aléatoire. Bon, alors là. Aléatoire et de mauvaise foi. Tu vois ce que je veux dire? C'était dégueulasse. Ouais, je le refais encore, il était moche. Par contre, je le rate pas du tout. Allez, t'aurais dû te taire. Tu vois, quand tu parles pas, c'est mieux. Un dernier trick sur le rail, je sais. Ça fait une éternité que j'ai pas fait. Hélicoptère, okay. Le gros forceur. Tu viens de le faire. Mais c'est un autre hélico. La planche, elle va pas kiffer. Hein. Est-ce que tu veux un deuxième hélico? Non. Ben, on fait du curb, hein. Fais-le, ton hélico. Non, mais l'autre, je sais pas trop faire. D'accord, bah vas-y, fais du curb. Je fais l'hélico, alors. Mais, oh putain, j'en peux plus. J'ai triché, là. Pas mal. Le dernier demi-tour, il était pas prévu, de base. Allez, cher. Oh, et t'as vu ce que je te disais? Il y a de la wax qui est partie sur le dessin, mais il s'abîme pas. Ah, est-ce que ça fait de moi un bolos qui abîme le dessin pour faire genre qu'il a skaté? J'ai un peu abîmé la tête. Mais en vrai, c'est fou comme le dessin tient bien. Laborieux. Je fais toujours le flip back, mais j'essaie de le faire de plus en plus moche. Dans les lives, il y en a, ils m'ont dit pourquoi tu fais pas évoluer le crook nolly flip en nolly crook nolly flip. C'est ce qu'on va voir maintenant. T'as vu les transitions, comment je suis fort? Voilà pourquoi je le fais pas. Parce que t'es nul. Mais arrête toi. Mais ça va pas. Flip crook. Et après on essaye flip crook nolly flip. Enfin j'essaye. Parce que toi on a vu ce que ça donnait sur un skate, c'est pas foufou. Mais ta gueule. Tu te débrouilles vraiment bien, hein. Bolos. J'arrive plus facilement flip crook que nolly crook. Le truc de trop. Là tu vois j'ai réussi direct. Flip crook nolly flip, je vais mettre une heure approximativement. Tu peux m'asseoir du coup? Si t'arrêtes de filmer mes pieds, tu peux. C'est pas cadré ou quoi là? Mais je filme pas tes pieds là, je filme ta grosse tête en fait. Oh. C'est si violent les chutes pour quelqu'un qui va si peu vite. Ta casquette là. Oh non. C'est des trucs de débutant ça. Bah tu l'as pas réussi? Bah après voilà. Hein. C'est pas ce que je voulais faire après. Calme-toi. Je peux pas être si peu concentré pour faire un trick si technique. Oh, regarde comment ça c'est pas classe. Non, j'étais parfait. Zoom sur ma tête là, pourquoi j'y arrive pas? Non mais là c'est pas possible ce qu'il fait mon corps. Faut que j'arrive à me concentrer en vrai. J'ai pas pu le lancer. Oh j'ai retordu ma cheville. Tu mens. La vie de ma mère. Oh non. J'ai été concentré pourtant. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas réussi. J'essaye un essai? Je pense que c'est une mauvaise idée. Essaye. Si j'ai mal, j'arrête. Oh. La vie de ma mère a pas de montage. Je suis obligé de le dire parce qu'à chaque fois il se passe des trucs comme ça et je sens les gens ils me croient pas. Et je suis pas un menteur. Non, t'es pas un menteur. C'est l'instinct de survie là. Et t'es bien en plus. Oui. Crash test! On roule dessus avec le camion. Est-ce qu'elle va tenir, tu penses? C'est un camion quand même. C'est lourd un camion. Et il est beau mon camion. Les seules planches qui ont survécu au camion, c'est des planches en fibre. Je pense qu'elle va pas survivre. Mais on va tester quand même. En tout cas, la board est carrée. Enfin, elle est ovale du coup. Mais c'est bien. La board est bien à skater. En une heure de skate, on en a fait des trucs. Oh non. Aïe 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 aïe, oh l'iPhone. Mais. Voilà, il a pris des rides Aurélien. Oh.
Mais bon, il est cassé. En vrai, je m'y attendais. Très bonne board. Je peux faire quoi comme conclusion? Top. On finira sur ça? Oui, vraiment, on finit sur ça? Tu veux que je rajoute? Tip top. Bisous. Bisous, les abeilles.